madame, bonjour. Bonjour. En ce beau lundi matin, je vais vous annoncer que cette semaine, donc, sera celle de la prévention de l'intimidation. Donc, avant toute chose, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est l'intimidation? Oui? Moi, je pense que si on décortique le mot intimidation, il y a comme un dedans, fait que c'est intérieur. Puis, il y a aussi timide, fait que timide, c'est comme tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire timide, fait que c'est comme timide à l'intérieur de soi-même. OK. Une hypothèse intéressante, une belle définition. Il faut faire attention. Il faut bien comprendre avant toute chose, quand on parle d'intimidation, on parle essentiellement de trois acteurs, trois personnes impliquées. Vous avez la victime. Vous avez l'agresseur. Et vous avez le témoin. On va parler d'intimidation quand on se moque de quelqu'un, qu'on l'humilie, qu'on l'exclut d'un groupe pour finalement faire du mal à cette personne-là. L'action peut être faite par la force, la violence ou encore par la ruse. Chantage, menace, insulte, cyber-intimidation entraîne une peur, une inquiétude, un sentiment de faiblesse. La personne qui se fait intimider succombe à son tour à la pression de son entourage. Elle va se sentir malheureuse, mal à l'aise et même isolée des autres. Est-ce que vous avez une meilleure idée maintenant de ce qu'est l'intimidation? Oui. Monsieur, est-ce que je pourrais vous parler deux secondes?